C'est le printemps, c'est l'heure des saillies, bien sûr, c'est en pleine période de gynécologie, donc notre nouvel épisode sur la santé. On va retrouver Jean-Christophe Bayle de la clinique Veto de Mélédumène, qui est en train de voir le cas d'une jeune jument qui s'appelle Bryodémote. Alors on va s'approcher. Alors Jean-Christophe, qu'est-ce qui se passe là actuellement avec Bryodémote ? Eh bien on fait un suivi gynéco, donc on suit un petit peu la croissance des follicules sur les ovaires pour l'amener à saillir le plus proche de l'ovulation possible. Alors là, tu es en train de regarder un écran. Qu'est-ce qu'on voit sur l'écran ? Voilà. Donc là, du coup, on voit un follicule qui est en train de pousser, qui va du coup être amené à ovuler. On est en croissance normale. Un follicule prend le dessus sur tous les autres. Et donc une jument qui arrive en chaleur sérieusement. Du coup, vu la croissance des follicules, on va réserver un saut pour samedi. On va la revoir samedi matin. Alors, on arrive à calculer... Tu mets 2,30 à gauche même. Ouais. Quasiment à l'heure près, parce que là, on est jeudi. Là, tu parles de samedi. Deux jours avant, à l'heure près, quasiment l'heure à laquelle il va falloir que la jument saillisse. Non, on n'est pas si fort, mais sachant qu'en plus, en pur sang, on est en monte naturelle, donc dans des conditions où le sperme survit assez bien dans la jument, on n'est pas à vouloir s'approcher à l'heure près de l'ovulation. C'est pour ça qu'on ne les voit pas non plus si souvent que ça à l'échographie. Si on veut vraiment s'approcher à l'heure près, on peut le faire dans les chevaux de sel avec du congelé et des semences vraiment avec très peu de spermato. Il faudrait que, idéalement, il faut que la jument saillisse avant l'ovulation ou après l'ovulation. Ouais, alors le top, c'est dans les heures qui suivent l'ovulation. Mais donc c'est là, voilà, quand on a très très peu de semences, on peut être amené à les échographier toutes les 6 heures et à déposer la semence, juste la jument à peine ovulée. Dans le pur sang, en général, l'idée, c'est de les saillir dans les heures qui précèdent, dans les heures qui suivent. N'importe, on a un résultat similaire, ouais, avec de la bonne semence fraîche.